Salut tout le monde, ici Valgame. Ah, t'as l'air très rassuré comme chien, toi. Je te libère de ton rôle d'actrice. Bring in the monster. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une joyeuse Pâques, même si c'était lundi et qu'on est mercredi, parce que mes vidéos sortent le mercredi. Mangez pas trop de chocolat, parce que le chocolat, c'est bon pour la santé. Et puis bah, y a pas d'autres explications. Enfin, si, mangez beaucoup de chocolat, regardez, voilà, à manger des célébrations, et surtout de pas oublier du papier. Ah, c'est dégueulasse. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Super Wolfenstein. Super Wolfenstein HD. C'est une petite version du vrai Wolfenstein qui est. Attends, je sais pas si je le prononce bien. Une petite version en mode 3D Minecraft, on va dire. C'est un jeu d'aventure où vous passez des niveaux, etc. On va découvrir ça tout de suite. Get Sick Head. D'accord. Alors, déjà, c'est les touches américaines, c'est génial. D'accord, on peut ramasser des couteaux, de la vie, et c'est tout. Oh, mais il y a un pistolet aussi, j'ai des couteaux, mon gars. Oh putain, il y en a deux autres là-bas. Ah si, c'est bon. Oh mon gars, plein de couteaux. Vous défonce. J'ai plus de couteaux du coup. Ah merde, il est pas mort. Dégage, crève. Je veux des couteaux. Ah bah voilà, nickel. On a fini le premier niveau, Get Sick Head. On prend les couteaux direct sans stress ni voilà, me tais. J'ai fait perdre son casque. Oh, tiens, hop. Du coup, j'ai plus de couteaux non plus encore. T'es censé être mort avec tous les couteaux. Arrête de bugger. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Voilà, bim, couteau dans la tête. Oh, des balles. Press 1 to switch weapon pistol. Il ne manquait plus que ça, un pistolet. Oh, des chiens, il y a des chiens. Crève. T'es mort? Va te faire foutre, sale bâtard. Ça a l'air. Allez. Coucou. Oh putain, je l'ai couché à la terre. Oh non! À gauche, c'est notre vie. Hop, boum. Oh, dans la jambe. On en profite pour se barrer. Wouh! C'est niveau 2. Allez, niveau 3 maintenant. Oh, une pelle. Ça sert à quoi la pelle? Oh. Mais oui, mon gars, on peut creuser. Tiens, coup de pelle. Oh putain, non, on va faire demi-tour déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit stratégique avec. Bah voilà, il suffisait de le demander. Coucou. Coup de pelle. Meurs, coucou. Bon, je le sens bien, on va crever. C'est pas assez difficile comme ça, fallait qu'il rajoute des chiens. Crève, dégage. Oh, coup de pelle, mon gars, coup de pelle sous les selles. Get sick head. Allez, on a plus la pelle. Ah si, elle est là. Coucou. Headshot, mon gars, boum, allez, ramasse tes dents, hop, boum, headshot, allez. Je vous ai mis un couteau dans la tête et vous êtes pas mort. Crève. Je peux ramasser les couteaux avec la pelle quand ils sont plantés dans le mec. Boum, couteau dans le pif. Oh là. Ah merde, putain, c'était le chef des nazis. La musique derrière elle est très entraînante, hein, j'aime bien. On va essayer de buter le. Coucou. Putain, mais je lui ai mis combien de balles là? Je vais l'attaquer à coup de pelle, hein. Coup de pelle, mon gars. Meurs. T'es bon, t'es mort ou pas là? Oui, il te faut encore des couteaux. Tiens, voilà. Voilà, on se fait tirer dessus. Fais gaffe, j'ai ma pelle. Je pense qu'il est bien mort, on lui a mis des gros coups de pelle là. Cette pelle n'empêche, elle nous aura aidé. On peut remercier cette pelle. Boum, coup de pelle. Ah, comment je le défonce à coup de pelle, mon gars. Est-ce qu'on peut creuser l'extérieur? Non, bah, y'a un mur. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Niveau. Oh putain, on se fait agresser. Oui, dès le début aussi. Oh, je l'ai bien mis dans la tête celui-là. Bonjour. Tu peux récupérer ma pelle s'il te plaît? Petite pelle. Bouh, petit chien, coup de pelle. Ah, comment je les défonce? Genre, tu m'as mordu. Dégage. Combien ils sont deux. C'est bon, on les défonce à coup de couteau. Petite pelle, récupère-moi mon couteau s'il te plaît. Bim. Ah, j'adore cette pelle, mon gars, elle est magique. That's good, t'as dit? Non, c'est pas good du tout. Ah! Oh non, là c'est pas good du tout. Des trucs à la place de ses bras là. Attends, je vais essayer de le défendre. Ah merde, putain, y a des chiens, j'ai plus de vie. Comment veux-tu que je fasse pour le buter, mon gars? Voilà. Aucun souci. Franchement, je te le dis, hein. Franchement, y a aucun souci avec les couteaux. Mais ça, c'est de l'expérience, ça. J'appelle ça de l'expérience de pouvoir lancer des couteaux comme ça là. Même la pelle, hein, c'est de l'expérience, de toute façon. Voilà, bah ça aussi c'est de l'expérience. Bon voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo sur ce jeu. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, il m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai trouvé que ce jeu était vraiment sympa. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, on va faire une action. L'action m'a été proposée par Firefall 18. Pour ta prochaine vidéo, regarde ça à 6 minutes 47. HTTP. Ne regarde pas avant la vidéo car sinon ta réaction sera bien moins grande. Et bah écoute, j'ai préparé la vidéo à 6 minutes 47. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des Teletubbies à la fin? J'ai besoin d'une explication là. Bon, je propose qu'on la regarde parce que là c'est deux personnes avec des Pokémon. Là ils sortent de la drogue. Et là, des Teletubbies arrivent, accrochés. Je sais pas comment. Ok, j'abandonne là, hein, j'arrête tout.
Mais alors tout. Allez, salut et à la prochaine. J'ai été chercher une logique dans cette vidéo et... Enfin, je ne l'ai pas trouvé parce que je pense qu'il n'y en a pas, franchement. J'espère que ça vous a plu, mes petites critiques de vidéos comme ça, voilà. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, pas de soucis. Je voudrais remercier une certaine chaîne communautaire qui s'appelle la Taverne des Jeux Vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une chaîne communautaire, c'est une chaîne où sont publiées plusieurs vidéos de youtubeurs différents pour gagner en notoriété, etc. Donc ils ont publié une de mes vidéos, si vous voulez aller la revoir, c'est celle sur le jeu The Very Organized Thief. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller voir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne communautaire pour avoir diverses vidéos, puis partager au maximum leur chaîne, voilà. Je les remercie encore beaucoup. J'espère que leurs projets de chaîne communautaire aboutiront. Donc on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Je vous dis salut tout le monde et portez-vous bien. Bonjour à tous, ici Valgame. T'es le crochet avec qui, c'est un pot de 7? Ouais, c'est possible. Ha! Ah, t'es mort! Ah, on a réussi à taper.